Direction la France, Maître Gims enflamme les réseaux sociaux avec ses yeux. Maître Gims dévoile enfin ses yeux sur le Strip Info. Voici ce qu'il en est de ses fans. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Les fans de l'artiste Maître Gims ont aperçu un instant les yeux de leur idole à travers le monde entier dans Tarata. En ce jeudi 28 janvier 2021, les projecteurs ont dû projeter les yeux de Maître Gims en ce jour. Maître Gims dévoile ses yeux au grand public qui est inconnu. Les projecteurs de l'émission ont démasqué le grand regard de l'artiste à travers de nombreuses personnalités. L'artiste congolais a été invité en ce jour sur plusieurs chaînes télévisées, telles que nous avons entre autres le Strip Info et plusieurs autres personnalités. En ce jour, Maître Gims dévoile ses yeux au grand public dans une grande scène musicale, Tarata, diffusée sur France 24. Il a sorti le 4 décembre 2020, le Flio, son 4e album studio, sur les labels TF1 Music et Playtoon, à travers le monde entier. Une œuvre déjà certifiée, disque de diamant. En seulement quelques semaines, l'artiste Maître Gims dévoile enfin ses yeux au grand public en ce jour. Pour fêter son plus grand succès, l'artiste a donc interprété un mea culpa à travers de nombreuses personnalités et un gros succès dans l'émission. C'est au cours de sa grande prestation que les caméras ont pu capter un grand détail que n'importe qui ne peut imaginer sur Maître Gims. À travers les verres filmés de ses lunettes, la grande qualité de la lumière présentée sur le grand plateau de l'émission et la position de l'interprète par rapport à la grande caméra ont permis aux téléspectateurs d'entrevoir et de voir les yeux de leur idole, Maître Gims. Maître Gims dévoile enfin ses yeux au plus grand public. Un secret trahi ou une grande révélation à travers ses fans? C'est la question que se posent de nombreux internautes pour le moment. Maître Gims dévoile ses yeux au plus grand public. Si les yeux du frère de Dadju demeurent un grand mystère pour ses grands fans, l'artiste semble de plus en plus vouloir jouer avec eux à travers le monde entier, sans oublier la France. Cet Ismaël Camara et ce Alpha Oumar Sow, ce sont véritablement 4 buts, un bouquet. Direction la Guinée-Conakry. Après le match qui s'est déroulé plus précisément hier, l'artiste guinéen Grampé apporte un démenti et un débat sur ce match. Écoutons-le. Grampé remporte la première partie du match et jubile sur les réseaux sociaux. Grampé n'est pas en compagnie de la bimbo ivoirienne Edor Siaw. C'est la question que se posent de nombreux internautes pour le moment. Grampé, où est passé Edor Siaw? Pourquoi vois-tu le match seul? À la méprise, à 6 minutes seulement de la fin du temps réglementaire. Du classement dans ce groupe qui nous a donné cette compétition. Le match presque terminé, l'artiste guinéen Grampé jubile à travers les réseaux sociaux et fait de terribles révélations. Grampé annonce une terrible prestation. Rappelons que depuis le départ de la bimbo ivoirienne Edor Siaw en Côte d'Ivoire, Grampé a décidé de ne plus s'exposer sur les réseaux sociaux. Grampé voit un match de foot et fait de terribles commentaires. Grampé se lance dans le foot. C'est terminé. What? Alibé. C'est bien, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, où la Zambie.